Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un épisode bonus, un épisode un peu à part puisque suite au dernier épisode des Enfants Parfaits, nos enfants sont devenus ados. Vous avez pu voir un peu les looks un peu différents de tout le monde. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait un épisode spécial relooking. Donc là, on a John, hein, c'est papa. Papa, lui, il a pas besoin d'un relooking, hein, il est très bien comme ça. Il est très beau. Par contre, on va devoir relooker un peu tout le monde. Vous voyez que les fringues, c'est pas trop ça. Donc, comme ils sont 7 et qu'il y a quand même combien de tenues? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenues. Sachant que des fois, je fais souvent 2 tenues de jour. Je pense que je vais mettre un peu en accéléré avec de la petite musique. Et puis, voilà, comme ça, on verra ce que ça donne. Et j'espère que ça vous plaira, en tout cas, le relooking de chacun. Et je partagerai juste après la famille sur la galerie. Je pense qu'il y aura sûrement des CC, donc n'hésitez pas à activer les contenus personnalisés pour les voir dans ma galerie. Et puis voilà. Et je vous retrouve à la fin du relooking. Thank you.
Et voilà pour le relooking de nos sept bambins devenus enfants, devenus ados. J'espère que le relooking vous aura plu, que le style vous plaise. Bien sûr, Nicolas avec les cheveux longs, il est encore plus pégé. Cécile, elle est très très mignonne. Et voilà, donc on va se retrouver très rapidement, j'espère. Peut-être même la semaine prochaine, je ne sais pas encore si j'enchaîne ou pas. Pour la suite des ados parfaits. En espérant que ce sera un peu moins la course. Logiquement, il devrait se gérer assez plus facilement. Donc, ça devrait aller très bien. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour un autre Let's Play. Allez, salut!